Je vends des plantes et des baguettes de bougna à la mamie. Depuis le commencement du magasin Farino, après j'ai arrêté et j'ai repris en décembre 2014. Si vous allez chez moi, on ne sait pas où il faut mettre les pieds. Ils ont annoncé beau temps, mais un peu de pluie peut-être. Il est 8h30, ça y est, il y aura du monde. Bonjour, monsieur, dame. J'en prends deux. Deux, ok. Choisissez. Les gens viennent de partout. Hein. Nous avons beaucoup de personnes de Nouméa et puis de toute la région, même de la province nord aussi. Farino, c'est aussi la balade, voilà, en même temps avec les enfants. C'est le pique-nique au bord de la rivière. Je le faisais avec la mairie et maintenant, c'est le marché de Farino qui les organise. On a entre 30 et 40 stands pour la fête du jardin. Et pour le marché de Farino, c'est entre 100 et 120 stands. Ça va, il y a beaucoup de choix pour les plantes et c'est pas cher. Bien pour les orchidées. Qu'est-ce que j'ai acheté? Pratiquement tout. Non, je plaisante. Des broméliacées parce que c'est la grande mode, donc il y en a partout. Donc là, j'ai acheté ce pied de broméliacées. Et maintenant, je vais me diriger vers les fruits et légumes. Parce que les plantes ne contiennent plus dans la voiture. Ça ? C'est les petites plantes, c'est bien pour les gens qui viennent acheter, puis c'est facile à transporter, quoi. Alors je vais demander à ma fille laquelle elle préfère. En fait, ça c'est le même bout de bois trouvé au bord de mer. C'est ça, c'est magnifique, magnifique. Le chambranle, la toutoute, le coquillage monnaie. Là, c'est représentation à tailler sa femme. D'accord. Ce sont des motifs qui existent. D'accord. On travaille ensemble, on s'aide. S'il y en a un qui a besoin d'aide, on est là, voilà, c'est tout. Et on est une famille. Il y a des fois où on a un surplus, on n'arrive pas à vendre et tout ça. Bon, ben, on donne aux amis, des vendeurs comme nous, quoi. C'est toujours très amical, très convivial. Très convivial, on se fait beaucoup d'amis. C'est notre petit. C'est soleil. Le brin d'amour, oui. C'est soleil et vous voyez les feuilles, c'est pommelian caillou. Vous voyez, c'est spécial. Ah les fraises et les framboises, le bon vin que nous avons bu. Ah les belles villageoises, nous les reverrons plus. 16 qui a eu 56 points. On a suivi un peu le thème que Madame Marchand nous a amené. Chantal Tiavoine est passionnée de couture depuis l'âge de 12 ans. Sa robe est la première des 12 sélectionnées. Les robes seront portées par les candidates de Miss Calédonie lors du Jeudi du Nord. C'est une satisfaction pour moi parce que je suis une petite couturière de la commune de Pueblo. Peut-être qu'en faisant ce concours à la robe mission, ben, ça nous aide quelque part de nous faire connaître. Parce que les Miss, ils vont représenter la Calédonie et aux yeux de tout le monde, de toute la population de Calédonie, ben, ils vont savoir que quelque part dans les petites tribus de la Calédonie, il y a des couturières. Pour le jury, le choix n'a pas été facile. L'évolution des couturières est évidente, mais il reste encore beaucoup de travail. Elle n'est pas faite. Oui, non, mais ça c'est normal, oui. Elle n'a pas coupé. Mais ouais. Le reste est fait, c'est pour regarder, c'est ça, c'est pas les petits bouts. Vous regardez que ça aussi c'est fait. Nous regardons les finitions, parce que maintenant les robes, c'est pas simplement sur l'esthétique, tout. On regarde l'originalité,
Les finitions sont très importantes. On veut que les mamans fassent des robes parfaites. Voilà. Qu'elles aient le goût de faire un travail jusqu'au bout avec le surfilage. Et voilà. Tout. Dorénavant, on aimerait bien qu'on rentre dans, carrément dans tout ce qui est naturel, qu'on a la nature, quoi. Par exemple, pour la teinture, de prendre par exemple les palétuviers, l'écorce de palétuvier, les racines de noni ou l'écorce de noni. Cette robe, autrefois image de la colonisation, est de nos jours indissociable de la femme kanak. Revendiquée comme signe identitaire, transformée, elle permet l'expression de sa créativité culturelle. La pêche de l'holoturie, aussi appelée la bêche de mer, se pratique depuis les années 1840 en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce commerce repose sur l'exportation de 12 espèces, exportées principalement sur les marchés asiatiques, très friands de cet animal. Cette filière est une activité prometteuse pour la production aquacole du territoire. La surpêche de l'espèce l'a rendue rare et par conséquent, sur le marché, ce produit se vend à prix d'or. En 2011, selon le dernier rapport des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie, l'exportation de l'holoturie rapportait 108 millions CFP à la Nouvelle-Calédonie, ce qui le place deuxième produit d'exportation marin le plus rentable après la crevette d'élevage. Cependant, devant la demande de plus en plus importante des pays asiatiques, plusieurs espèces d'holoturie, dont celles présentes en Nouvelle-Calédonie, sont actuellement menacées. Christian est producteur de mandarines sur les hauteurs de Kua à Kanala. Son verger se situe non loin de la vallée de Boara, à 2 heures de marche de chez lui. L'an dernier, ce producteur avait récolté 600 kilos de mandarines, mais cette année, il estime sa récolte entre 100 à 150 kilos. En cause, le papillon piqueur. Il s'agit d'un papillon nocturne qui attaque les fruits à la tombée de la nuit. Voilà, il pique les mandarines et puis voilà, ça pourrisse et puis ça tombe par terre. Christian a le moral à zéro. Il s'est investi toute l'année afin d'avoir un produit de qualité pour la fête de la mandarine. C'est dommage parce que enfin, en tant que producteur, je sais peut-être les autres producteurs aussi, ben, le travail fourni pendant l'année quand on vient pour faire l'entretien, etc., etc. Mais quand tu vois le fruit déjà qui grossit, tu vas avoir une bonne récolte. Et il suffit d'un mois où les papillons piqueurs ils arrivent, ils débarquent dans ton champ, et voilà, le résultat, voilà, ils sont tous par terre. Quoi. Là, les papillons, les piqués sont là. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est la nature qui fait ça. On se contente de ce qu'on... Il vaut mieux les cueillir parce que peut-être la semaine prochaine, on en verra, puis il n'y a plus rien. Ils vont se faire piquer. Afin de compenser cette perte, lui et sa femme ont opté pour la confection de produits transformés. Là, il manque un peu moins de la moitié. Puis ça, c'est les papillons piqueurs qui ont abîmé les fruits. Et puis voilà, moi, je jette ceux qui sont abîmés, les 2 ou 3 tranches qui sont abîmées, puis je récupère pour faire la confiture. Comme chaque année, l'association Wakasha fait la promotion de cet agrume au Mont-d'Or le week-end précédant la fête de la mandarine et des fruits. Pour 2016, le papillon piqueur a malheureusement mis à mal la production. Au Mont-d'Or, seulement 500 kilos ont été vendus. Et à Kanala ce week-end, l'association Wakasha prévoit seulement 1,5 tonne au lieu des 3 tonnes habituelles. En novembre 2013, le palangrier chinois Ouyou 911 avait été arraisonné ici entre Belep et le Vanuatu par la police des pêches. Le pêcheur avait été pris en flagrant délit de pêche illicite dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie. Cette affaire a créé un vif débat. D'abord condamné à 4 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs CFP, le pêcheur a été relaxé par la cour d'appel de Nouméa. La cause, le pêcheur était titulaire d'un permis de pêche délivré par le Vanuatu. Or, il se trouve que la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie et la zone économique exclusive du Vanuatu se chevauchent. Ainsi, la cour de cassation a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Paris. Depuis, l'affaire est toujours en cours. La cour de cassation a dit non, il faut prendre en considération les deux territoires qui sont d'une proximité géographique extrême. Et en l'absence de convention bilatérale, on ne peut pas appliquer chacun ses règles qui concernent sa zone économique exclusive. Parce que sinon, on se rend compte que les deux zones s'empiètent et ça oblige les deux États, donc le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, à se rencontrer pour
éventuellement signer une convention bilatérale qui dirait bah, à partir de cette zone-là, on n'a plus le droit de pêcher. Sinon, on se rend bien compte que les deux zones économiques exclusives empiètent l'une sur l'autre. Et on pourrait très bien imaginer dans le même sens quelqu'un qui a l'autorisation de pêcher en Nouvelle-Calédonie et qui aille pêcher au bord des côtes du Vanuatu, et il serait toujours dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça pose un vrai problème, mais la Cour de cassation a bien compris que c'était un problème qui était dû surtout à l'absence de convention bilatérale entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Pour le navire vietnamien, pour l'instant, il n'y a aucune information sur un éventuel permis de pêche. Ainsi, la peine financière la plus lourde que pourrait connaître le capitaine serait la saisie de son navire et de sa marchandise, en plus d'une amende de plusieurs millions. De plus, son refus d'obtempérer lui fait encourir la peine d'emprisonnement. Pourquoi on installe cet établissement à Koné ? Parce qu'on constate aujourd'hui que dans le camp Est, c'est-à-dire la prison de Nouméa, on a à peu près entre 30 et 40% de détenus qui sont originaires de la province Nord. Et l'idée, c'est de les rapprocher à la fois de leur famille, leurs amis, pour reconstituer ou maintenir le plus possible les liens sociaux et familiaux, et d'autre part, de les rapprocher du lieu où ils ont vocation à se retrouver en sortant de prison, et donc de les rapprocher de leurs futurs employeurs. Pour les populations, il n'y a pas de risque, d'abord parce que c'est un terrain qui a été décidé en concertation avec la province Nord, hein, c'est un terrain qui appartient à la province Nord. Deuxièmement, à Koné, vous n'aurez que des profils peu dangereux, c'est-à-dire des profils qui présentent les meilleures chances de réinsertion. Et troisièmement, de toute façon, ces détenus, le centre pénitentiaire de Koné, ça reste une prison. Donc il y a bien, une enceinte, une clôture, il y a une centaine de surveillants prévus pour 120 détenus. Donc là, on ne transige pas sur la surveillance des détenus. Cléa et ses copines apprennent à tresser la natte en feuilles de pandanus. Et Louise leur montre ce qu'elle a elle-même appris quand elle était à l'école. On était à l'école avant, puis on a tressé. Tous les mercredis après-midi, on tresse. On apprend à tresser les paniers, la natte. Et puis jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours tressé la natte. On apprend des choses et je trouve que c'est très bien. C'est mieux d'apprécier que de faire des maths à l'école. Parce que les enfants passent la majorité de leur temps à l'école, cette résidence a pour objectif de transmettre des savoirs traditionnels. Pour Hervé, travailler avec les équipes enseignantes devient nécessaire et utile. On est convaincu que le savoir traditionnel il doit venir compléter ou déjà être la base de l'enfant pour aborder les savoirs qui viennent de l'extérieur. À Ponériouin, cette résidence culturelle annuelle existe depuis 2012. C'est le résultat d'un partenariat entre l'école publique communale et l'école de musique Merengara de Wailou. Tout ce que les enfants auront appris durant cette résidence sera présenté lors d'un spectacle ce vendredi à Grandu. Via le programme Erasmus, 15 jeunes Belges vont passer 2 semaines d'échange avec leurs homologues du pays. Ce matin, ce sont les jeunes de la cité mélanésienne et la cité Pierre Lanquette de Montravel qui les ont accueillis avec un geste de bonjour. Une première surprise pour ces jeunes Européens. On ne fait pas ça à Belgique ou en Europe. C'était bien et c'est une bonne manière de faire connaissance. Et donc l'échange que nous vivons aujourd'hui fait partie du programme Erasmus+, plus particulièrement jeunesse et sport. Et donc, dans ce programme, on a différents dispositifs, comme un échange de jeunes entre Français et Belges. Les hôtes du groupe belge leur ont proposé de découvrir certains de leurs savoir-faire. Une occasion de faire tomber les barrières, mais aussi de rappeler que même ici, dans les quartiers nord de la capitale, la culture est vivante. On a beaucoup de coutumes, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes langues. C'est ça un peu qu'on a envie de leur faire montrer ici. Je croyais que ça allait être un peu plus différent, moins comme ça organisé. Mais c'est surprenant qu'il y a tellement de jeunes ici et
Oui. Comme ils entendent parler de nous d'une différente façon, ben eux au moins ils vont voir de leurs propres yeux ce que nous on est capable de leur donner, ici nous dans les quartiers. La délégation va passer quelques jours aux côtés de leurs semblables des quartiers et s'envolera ensuite goûter la vie en tribu sur l'île de Jehu, Lifou. Demain, 1er juillet, cela fera 65 ans que la majorité du peuple kanak obtient enfin le droit de vote. Ce n'est pas encore le vote universel en Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas loin. La liste électorale des adultes kanak admis à voter passe de 1100 à 8700. Et c'est cette augmentation qui permet l'élection de Maurice Lenormand, qui sera appelé le député des Kanak pour cela. Et cet élargissement avait été demandé par le président de l'UIKALO, Roch Pidgeot, au gouverneur Kournari, et avait été rendu possible parce que le 23 mai 1951, l'Assemblée nationale adopte une loi qui élargit considérablement le droit de vote de tous les citoyens français des anciennes colonies, en somme. Quelques années plus tard, le vieux Roch Pidgeot sera le premier député kanak de la Nouvelle-Calédonie. Le vieux Vincent se souvient des premières fois qu'il a voté. On votait à la mission d'Étier, et puis c'est les délégués qui restaient au bureau. Tous les kanaks qui restaient au bureau. Puis après, quand il y a des mecs qui ne pas bien voter, il y a quelqu'un qui votait pour lui. En 1951, cet habitant de Pointe-d'Imy avait 21 ans, l'âge de la majorité. Il se souvient qu'il votait pour faire valoir ses droits et améliorer les conditions de vie du peuple kanak. Aujourd'hui, il déplore le désintérêt des jeunes envers ce droit civique pour lequel les anciens se sont battus. Moi, je connais aussi, parce qu'il y a de tous les jeunes qui ne comprennent pas ça. Quand ils viennent des Kanaks, quand ils étaient au Pini, et puis ils viennent, puis quand ils sont trois, ils tirent les droits des votes, et puis ils ne peuvent pas les voir parce que c'est fini les... Et puis il restait toute la tribu et puis il n'est pas allé chercher le papier pour voter. Sans droit, quoi. Malgré tout, Vincent reste confiant envers la jeunesse de son pays. Non, on va essayer de travailler pour aller voter tout le monde. On va essayer de faire. Il y a toute la tribu, on va essayer de travailler avec les chaînes pour amener pour voter, quoi. Rappelons tout de même qu'aux dernières élections provinciales, le taux d'abstentionnisme dépassait largement les 30%.